l'entendre. Elle est là. Celui qui est assis, tiens-toi debout. Alléluia. Chers ministres de Dieu, peuple de Dieu, mesdames, messieurs, distingués invités, c'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle de la conférence qui a pour thème la restauration de la femme congolaise en Jésus-Christ. Le nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous unit encore ce jour, pour un but précis, interpelle notre conscience de son retour. Comment trouvera-t-il son Église? Les temps sont mauvais. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Notre Père Céleste attend de nous une Église unie. Notre héritage, le Congo, soit fort, les familles fortes et les enfants forts pour un Congo nouveau en marche. Hôtes distingués, permettez-moi de former les vœux les plus sincères du comité d'organisation de l'arrivée du prophète Bénin Gwambina, de son épouse et de toute sa délégation. Au Père, de leur contribution exceptionnelle pour la réussite de cet événement. En tant que chrétiens, nous sommes le troupeau de Dieu, psaume 100 au verset 3, et lui seul peut restaurer notre âme. Restaurer signifie réparer, rénover ou ramener à son état intérieur. L'âme est la dimension la plus profonde de notre être intérieur. C'est Dieu qui nous a créés et lui seul peut nous restaurer. Car lui seul sait de quoi nous avons réellement besoin. Que Dieu bénisse le Congo, les autorités de notre nation et tout le corps de Christ. Je vous remercie. Je veux que tu acclames encore.